Mes chers étudiants, aujourd'hui, comme je vous ai promis, on va étudier ce texte-là. C'est la suite de notre histoire La Nuit des Vampires. Mais avant de, avant de commencer l'étude, je vais faire un petit rappel du schéma narratif d'une histoire ou bien d'une nouvelle policière comme le cas que nous avons. On a déjà passé la première étape, à savoir la situation initiale. Deuxième étape, l'élément perturbateur. On a déjà connu que la situation initiale, nous avions le lieu, le temps et les personnages. Le lieu, ça a été près du cimetière, dans une voiture. Les personnages, ça a été Alfred qui était dans une voiture, accompagné d'un étranger euh, qui a trouvé euh, au, bord de, au bord du chemin, en train de faire de l'autostop. Euh, l'élément perturbateur, nous avions un, euh, comme vous avez ici, l'élément perturbateur. C'est euh, la, <coughs> la partie où le commissaire euh, Justin et euh, l'agent Gary ont découvert ont euh, le, le mort, euh, le cadavre d'Alfred. C'est ici. Alors maintenant, nous sommes dans cette partie-là. Comme je vous ai déjà décrit ou bien expliqué, c'est la partie qui s'appelle les péripéties. Les péripéties. Les péripéties, je, je définis bien les péripéties que c'est ce la partie où il y en a l'ensemble des actions qui sont comme résultat ou bien qui résultent de l'élément perturbateur. Pourquoi je dis comme ça Parce que les péripéties, si on n'a pas de l'élément perturbateur, s'il n'y avait pas... Le, 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 si, si monsieur Alfred n'est pas mort, pourquoi, nous appellerons, euh, les, les, pourquoi ils vont appeler, euh, par exemple, le commissaire ou bien la police, etc. Alors l'ensemble des actions qui viennent après l'élément perturbateur, c'est les péripéties. Et quand vous constatez, imaginons que, ce, euh, que cette ligne-là est notre histoire. Une fois l'élément perturbateur est fait, le rythme de l'histoire augmente. Parce que déjà, la situation initiale, elle se caractérise par le calme, l'équilibre, aucune action n'est faite. Après ça, un élément, on l'appelle perturbateur parce qu'il perturbe, il perturbe le calme de la situation initiale. Et une fois après ça, on a les péripéties, les péripéties, je m'excuse, les péripéties qui sont l'ensemble des événements, des actions qui vont se reproduire après l'élément perturbateur parce qu'ils sont des actions. Qui viennent comme résultat de l'élément perturbateur. Alors nous sommes ici. On a déjà vécu ou bien vu la situation initiale. Après cela, nous avions l'élément perturbateur. Maintenant, nous sommes dans l'ensemble des actions résultat de l'élément perturbateur, à savoir les péripéties. C'est clair Je souligne bien, ce sont les, év les événements, les actions qui viennent après l'élément perturbateur. Très bien. Alors on va écarter cette feuille-là. Et on va commencer notre partie. Au début du texte, nous avions euh, le titre, La Nuit des Vampires. Ça veut dire nous sommes encore dans notre histoire, La Nuit des Vampires. Nous avons ici des illustrations, trois illustrations. J'imagine ici, nous avons un cadavre, une femme morte. Nous avons ici devant euh, une maison et euh, un autre cadavre mort et euh, illustré ou bien dans un, dans un milieu caractérisé par euh, la peur, etc. On peut le voir dans la troisième illustration. Justin regarda une dernière fois Alfred et vit comme deux points rouges sur son cou. Il s'approcha et découvrit une morsure. Voilà pourquoi il me paraissait si pâle, s'exclama-t-il. Ça veut dire Justin. Il faut aller voir sa pauvre femme, conseillait Gary. Tu as raison. Mais connais-tu son adresse Oui, oui, elle habite. 8 Rue des Mouettes à Sainte-Marie. Comment le sais-tu Ben, ben, je... J'ai lu tout cela dans son portefeuille. Ah, pourquoi ne m'as-tu rien dit J'ai cru quand vous l'avez dit. Eh bien non, comme tu le constates. Environ deux minutes plus tard, les deux enquêteurs arrivèrent devant la maison 8, rue des Mouettes. Ils s'enèrent. Personne ne vient ouvrir. Ils ressonnèrent, toujours rien. Ils appuyèrent sur la poignée. La porte s'ouvrit toute seule. Intrigués, ils entrèrent. Dans l'entrée, il y avait un paillasson avec écrit dessus « Bonjour ». À gauche, un escalier. À droite, une porte menant à la cuisine dans laquelle ils pénétrèrent. Un morceau de viande était en train de griller dans une poêle. Soudain... Un gémissement se fit entendre. Ils coururent à l'autre pièce et découvrirent la femme d'Alfred qui était en train d'agoniser. À l'aide furent ces derniers mots. L'agent tourna la tête de la pauvre femme et là, ils découvrirent les mêmes marques que sur, sur son mari. Ils appelèrent l'ambulance et en déduisirent que ce ne pourrait être qu'un vampire. Très bien. Ça, ça a été notre lecture magistrale. On va recommencer le texte relire le texte. Et en même temps, on va essayer de décrire et de retirer les éléments qui vont nous aider à comprendre le texte. Alors, « Justin regarda une dernière fois Alfred et vit comme deux points rouges sur son cou. » Ici, on parle d'Alfred. Vous connaissez bien que l'élément perturbateur, c'était la mort d'Alfred. Et l'inspecteur Justin a découvert deux, deux petites morsures euh, sur son cou. Ça veut dire euh, « morsure », on dit, euh, ça vient du, du verbe « mordre ». C'est l'action qu'on fait par la bouche, par exemple. Alors deux petites morsures, deux petits points rouges, et il dit voilà pourquoi il me paraissait si pâle, s'exclama-t-il. J'ai déjà expliqué que euh, les morsures sur le cou, ça veut dire par exemple qu'il a été euh, tué par un vampire, euh, parce qu'on connaît bien que le vampire euh, boit le sang. Il faut aller voir sa pauvre femme, conseilla Gary. Alors ici c'est un dialogue entre Justin et Gary. Il l'a conseillé, il le conseille d'aller voir sa femme. Ça veut dire la femme d'Alfred. Justin répond, tu as raison. Mais connais-tu son adresse Ça veut dire, est-ce que tu connais l'adresse de la femme ou bien l'adresse de la maison d'Alfred Oui, oui. Elle habite 8, rue des mouettes à Sainte-Marine. Alors ici, l'inspecteur Gary connaît déjà l'adresse de la femme d'Alfred. Justin va poser une interrogation, va poser une question. Comment le sais-tu ben, ben, ici, l'inspecteur Gary hésite. J'ai lu tout cela dans son portefeuille. Ça veut dire qu'il a déjà découvert un portefeuille, euh, par exemple dans la poche d'Alfred, mais il ne l'a pas dit à Justin. Ah, pourquoi ne m'as-tu rien dit J'ai cru comme vous l'avez dit. Ici, Justin a posé la question en s'exclamant, premièrement, pourquoi ne m'as-tu rien dit Et euh, M. Gary là, lui répond, j'ai cru. Quand vous l'avez dit, ça veut dire que quelqu'un d'autre vous avait déjà dit ça, ou bien vous, avez vous a déjà informé. Eh bien non, quand tu le constates, ça veut dire, voilà, tu constates bien qu'aucune personne ne m'a dit cette information. Environ deux minutes plus tard, alors jusqu'à ici, attendons un petit peu jusqu'à ici, on va mettre un point, on revient. Si on constate, que euh, si on fait une petite, une petite, euh, voilà, une petite étude de ce, de ce passage-là, on va constater ou bien on va dire que tous les verbes regarda, vit, s'approcha, découvrit, paraissait, s'exclama. Nous avons un, deux, trois, quatre, cinq verbes conjugués au passé simple et seulement un seul verbe conjugué à l'imparfait. Et nous, nous avons déjà étudié que euh, nous avons déjà étudié les temps du récit. Ça veut dire on sait bien quand utiliser l'imparfait, on sait bien quand utiliser le passé simple. Les, les, tous les verbes ici conjugués au passé simple expriment une action courte, soudaine, ou bien des actions successives. Alors voilà, regarda. Une fois Justin regarda une dernière fois Alfred, après il vit, c'est le verbe voir ici au passé simple, comme deux points rouges sur son cou, il s'approcha. Et découvrit une morsure. Voilà pourquoi elle me paraissait si pâle. Ici pâle, c'est une description. C'est pour cela on va, euh, on a, on a conjugué ce verbe-là, paraissait, euh, à l'imparfait. S'exclama-t-il. Alors nous avons cinq actions qui sont successives et une seule et un seul verbe de description. C'est pour cela on l'a conjugué à l'imparfait. Il faut aller voir sa pauvre femme. Comme on constate bien que dans la partie de péripétie nous avons un passage de dialogue, un dialogue entre l'inspecteur Justin et l'agent Gary. Ils ont discuté un peu ici. Après ça, environ deux minutes plus tard, on a sauté un peu de temps. Environ deux minutes plus tard, les deux enquêteurs arrivèrent devant la maison 8 rue de des Mouettes. Ça veut dire qu'ils sont allés chez la maison de de, de la femme d'Alfred. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ont l'idée de voilà pour informer sa femme que Alfred est mort. Ils s'en errent. Voilà un autre verbe d'action. Ils s'en errent, personne ne vient ouvrir. Ils ressentèrent, toujours rien. Ils appuyèrent sur le poignet, la porte s'ouvrit toute seule. Ça veut dire la porte était déjà ouverte. Intrigués, surpris. Ils sont surpris ici. Ils entrèrent. Ça veut dire, voilà, deux inspecteurs, deux agents de police, ils ont trouvé, euh, une porte de la, ils ont trouvé la porte de la femme d'Alfred déjà ouverte. Alors, ils, ont, ils, ils sont étonnés, ils sont surpris. Pourquoi la porte est ouverte Et nous avons déjà découvert que... Et, nous, et, et on sait déjà que qu'Alfred est mort. Ici, il commence une description. Il commence à décrire la maison qu'ils ont trouvée. Dans l'entrée de la maison... Il y avait un paillasson avec écrit dessus bonjour. À gauche, un escalier. À droite, une porte menant à la cuisine dans, lequel il, dans laquelle ils pénétrèrent. Ça veut dire il décrit, il décrit le, lieu, le lieu de, 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 de la scène. Euh, ça veut dire le lieu où se passe la scène maintenant. Nous sommes maintenant dans la maison d'Alfred et sa femme. Alors ils pénétrèrent dans la cuisine. Ils entrent dans la cuisine. Un morceau de viande était en train de griller dans une poêle. La poêle, on sait bien, la poêle, c'est l'outil où on, on cuit les œufs. Par exemple, euh, un morceau de viande, la viande, vous savez bien, il y en a la viande de bœuf, la viande de, des moutons, etc. Ce morceau de viande ici était en train de griller. Ça veut dire, il est déjà cuit. Maintenant, il est en train de griller. Il devient mal à, à, à manger dans une poêle. Ça veut dire ça fait longtemps que la viande était en train de, 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 de se cuire dans une poêle. Soudain, un gémissement se fait entendre. Trois points. Soudain, un gémissement. C'est quoi le gémissement C'est le son qu'on fait euh, quand on a le, le, la bouche fermée, par exemple, ou bien quelqu'un qui est, qui est en train de mourir. Il essaye de parler, mais il n'arrive pas à parler. Il fait hmm, ⁇ voilà, c'est ça le gémissement ⁇ alors soudain, un gémissement se fit entendre. Ils ont entendu un gémissement. Ce, ce son-là de quelqu'un qui est en train de mourir et il essaye de parler, mais il n'arrive pas. Ils coururent à l'autre pièce. La pièce, c'est la chambre. Ils coururent parce qu'ils sont surpris. Soudain, ils entendent quelqu'un en train d'essayer de, 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 de parler. Ils sortirent de, de la cuisine et ils coururent vers la pièce. La pièce, l'autre chambre, qu'est-ce qu'ils ont découvert Ils découvrirent la femme d'Alfred qui était en train d'agoniser. C'est quoi agoniser Ça veut dire en train de mourir. À l'aide, sa dernière parole, ses derniers mots étaient à l'aide furent ses derniers mots. L'agent tourna sa tête, ou bien la tête de la pauvre femme. L'agent, ici, ça veut dire Gary ou bien Justin. L'agent tourna, fait tourner la tête de la pauvre femme qui était déjà morte, et là, ils découvrirent, ils ont découvert les mêmes marques que sur son mari. Ça veut dire les mêmes points rouges, les mêmes, la même morsure. Voilà qu'ils ont trouvé sur son mari. Ils découvrirent la, les mêmes marques sur son mari. Ils appelèrent l'ambulance et en déduisirent, ça veut dire ils ont constaté à la fin, à partir des morsures, de la morsure d'Alfred. Et maintenant, une autre morsure sur le cou de la femme. Ils déduisirent, on dit bien d'après 1 et 2, ils constatent que ce ne pourrait être qu'un vampire. Voilà, ils ont posé une hypothèse maintenant. Voilà, ce, ce ne pourrait être qu'un vampire. Ça veut dire que c'est un vampire qui les a tués, que ce soit la femme d'Alfred ou bien Alfred. Alors très bien, on va mettre un point ici. Voilà, comme vous constatez ici, nous avons tout un texte. Plein des événements, voilà. Justin et Gary ont découvert le cadavre d'Alfred. Premièrement. Deuxièmement, un dialogue entre Alfred, entre, euh, pardon, Justin et Gary. Troisièmement, ils sont partis à la maison d'Alfred. Quatrièmement, ils ont découvert la femme dans la cuisine, dans la chambre, en train de mourir. Cinquièmement, ils, ils voient le, la, la morsure sur son cou et la femme est morte. Toutes ces actions là, toutes ces actions là sont l'ensemble des péripéties après la mort d'Alfred. L'ensemble des événements qui viennent après la mort d'Alfred. C'est pour cela qu'on les appelle les péripéties. Voilà. Alors euh, j'ai déjà expliqué le texte. Euh, on sait bien ici les, les, les réponses. Euh, les personnages ici, ce sont Gary, Justin et euh, le cadavre, de, ou bien la femme qui, a, qui, est, qui est en train de, de mourir. Le lieu, c'est à la fois dans la scène du crime, la partie ou bien le, le lieu où Alfred est mort, et deuxièmement, après, ils sont passés euh, à, à la maison d'Alfred. Le temps, ici, nous avons le temps, euh, un indicateur temporel euh, après, ou bien environ deux minutes plus tard, un seul indicateur temporel qu'on a. Voilà. Et c'est ça, c'est ça les réponses des questions essentielles. Très bien. Ici, nous avons « complète » par les mots convenables. On va essayer de faire une définition de, de, euh, de c'est quoi les péripéties. Très bien. Nous avons l'intrigue, le suspense, rebondissement, les indices et les pistes. On doit remplir chaque partie par le mot convenable, chaque trou par le mot convenable. Les péripéties sont « des ». Surgissent au cours d'une histoire, dans une nouvelle policière, elles permettent de maintenir et de découvrir progressivement et qui conduisent à la résolution de etc. Alors je dois placer chaque mot dans la partie convenable. Puisque nous avons ici des, alors je pense directement à, à un mot pluriel. Les péripéties sont des rebondissements. Ici, c'est le numéro 3, 2, 1, 4 et 5. Les péripéties sont des re rebondissements. Pourquoi ces re rebondissements Un ensemble des actions. Un ensemble des actions qui surgissent au cours d'une histoire. Ça veut dire qu'ils sont fait, faites au cours d'une histoire. Dans une nouvelle policière, elles permettent de maintenir le suspense. C'est quoi maintenir le suspense Ça veut dire garder ou bien attirer l'attention du lecteur. Laisser le lecteur toujours en suspense pour terminer l'histoire. Parce qu'on ne doit pas directement annoncer la solution dès le départ, sinon on va risquer de perdre l'attention du lecteur. Et de découvrir progressivement et les indices, voilà, les indices qui conduisent à la résolution de, de l'intrigue. Dans une nouvelle policière ils permettent de maintenir le suspense et de découvrir progressivement et euh, de découvrir progressivement les pistes voilà les pistes les pistes et les indices qui conduisent à la résolution de l'intrigue on peut les changer on peut changer par exemple ici on va mettre le numéro 4 parce que les pistes qui conduisent alors euh, de découvrir les indices et les pistes et les pistes qui conduisent à la résolution de l'intrigue l'intrigue c'est le problème c'est l'élément perturbateur. Parce que la question qui se pose ici, qui a tué Alfred Qui a tué maintenant la femme Alors les péripéties sont l'ensemble des actions qui sont faites après l'élément perturbateur. Il essaye toujours de garder un sentiment de suspense chez le lecteur. Il, le lecteur veut toujours savoir qui a tué ces deux, ces deux euh, personnes et, euh, et découvrir les indices, découvrir les clés. Les, euh, les, euh, voilà, les indices qui nous, qui nous aideront à, à savoir ou bien à trouver la solution, à trouver le meurtrier, à trouver le criminel qui a commis euh, le crime. C'est pour cela qu'on l'appelle l'intrigue ou bien l'énigme ou bien le problème. Très bien, alors euh, j'espère que vous avez bien euh, compris le, notre partie ici de texte. On va essayer, Inshallah, de de donner des exercices et d'essayer de produire euh, notre partie de péripéties euh, convenable ou bien tout seul. Merci beaucoup pour votre attention. A tout à l'heure. Inchallah.